Aujourd'hui les gars, nous allons jouer à Minecraft sur notre mode. Je vais me réincarner en slime. Pour cet épisode les gars, nous avons quelques petits objectifs. Nous allons nous entraîner afin de maîtriser quelques petites techniques telles que l'élément de l'eau. Ce sera notre priorité pour cet épisode, puis on verra pour les autres éléments. Et puis on va essayer de réaliser un donjon et y faire notre habitat pour pouvoir tout simplement être plus à l'aise dans notre aventure au niveau de notre inventaire. Tout simplement, t'as capté, c'est le but d'une maison frérot quand même, hein, faut pas non plus déconner. Voilà, donc nous avons ce type là qui est devant nous, et en fait c'est un Otherworlder, et je sais très bien qu'il est très très puissant. On va essayer de se le faire les gars en 1v1, et si je n'y arriverai pas, eh bien je vais utiliser ma stratégie la plus cheatée que je maîtrise dans toute ma panoplie de stratégies. Bon, en tous les cas, vous connaissez mes techniques, hein, je n'ai toujours pas progressé. Ah si, j'ai maîtrisé une technique là, c'est-à-dire que j'ai tué une witch. Je l'ai trouvé comme ça par le pur hasard, parce que j'étais dans la nuit, il fallait que je passe la nuit pour pouvoir accéder à la journée. Et donc, j'ai donc eu une nouvelle technique, donc Magic Sense. Ça, c'est une technique qui n'est pas très cheatée, c'est pas une technique très cheatée. Mais en gros, quand il fera noir, eh bien, je pourrai voir dans le noir. Et ça, du coup, ça vous permettra d'avoir un meilleur gameplay. Et ça, c'est plus bénéfique qu'autre chose. On arrête de parler, les gars. Et bah, du coup, let's go, c'est parti. On va commencer avec un ça, là. Il voudra certainement me rush, non? Non? Dans ce cas-là, let's go. Bon, allez, on va essayer de se le faire quand même au corps à corps, parce que sinon, c'est pas marrant. Tu t'es cru, frère. On va te laisser en vie, c'est bon. Je me suis failli, frère, c'est bon. C'est suffisant. En vérité, les gars, je n'ai jamais osé aller là-dedans parce que j'ai toujours eu chaud de ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur. Mais maintenant, vu que j'ai maîtrisé la technique Magic Sense, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin de torches, ça, c'est vraiment bénef. On va essayer, les gars, de voir un petit peu ce qu'on pourrait trouver ici. Donc là, il y a pas mal de mobs. Là-bas, je vois que là, il y a un spawner à queue tru. On va quand même essayer d'y aller en vif. Là, c'est quoi tous ces spawners de merde? Bon, allez, on va essayer de se le faire d'abord lui. Ok, frérot, on se met en mode ta carte de transformation. Let's go. Ok, et de 1. Hop là, squelette de malheur, vas-y, viens ici. Merde. Frérot, c'est pas comme ça la vie. Hein. Je me suis trompé une fois ou deux, mais pas quatre fois non plus. Hein. N'abuse pas. Et frère. Oh, ok. Oh frérot, comme le gameplay il est pas adapté ici quoi. Non, c'est pas adapté frérot, c'est pas adapté. Oh là, il y a des spawners en fait. Hop là, il m'a... Ouais, hey. Oh frère, il a une épée. Mais attends, les gars, hey, on s'adapte au gameplay frère, c'est pas assez, non. Ok, viens ici. Hey, les gars, ils sont vraiment monstrueux ces mobs. Hein. Hop là. Hop là, pourquoi tu fais sacrément mal ce mec hein. Vas-y viens ici, hop là frérot, viens ici, tiens, 1, 2, 3, 4, ok, il y a encore un autre là-bas. Gros, ils ont tous des archers, ils ont tous des arcs frère enchantés frère, c'est une dinguerie. Après ce serait cool si on essaye de se faire des épées adaptées au mode en fait. Et ça je sais très bien qu'on pourrait se faire des épées comme ça, adaptées au mode. Ok, attention, ok c'est parti, let's go. Ok là-bas, les gars, vous avez vu là-bas le mob là-bas. Il a l'air d'être monstrueux. Allez, c'est parti. Transformation. Attends, toi, tu veux transformer. Attends. On va se transformer, nous, c'est les gars. C'est parti, vas-y, go. Vas-y, viens ici. On va tuer d'abord l'araignée. Frère, tu es en train de mourir tout seul, le squelette. Le combat n'est pas adapté pour toi. Ah, t'as voulu me mettre un coup de poing, hein. J'ai vu ton poing là. Là, il m'a l'air d'avoir une grande salle, je sais pas quoi, pourquoi. On va y aller quand même, on va voir ce qu'on peut trouver ici. Là, il y a pas mal de coffres. Ok, on va dire que j'ai atteint la salle à manger. Eh hey gros! Mais frère, t'es un fou toi! Mais gros! Mais t'es taré toi! Mais frère! Tu sors d'où squelette fantôme? Je sais pas frère! Mais non, mais faut pas faire ça! Bon, ici c'était bien, on a réussi à là-bas je crois il y a encore un. Ouais, là-bas il y a des trucs ici. Il y a aussi de la plante. C'est quoi comme plante ça? Est-ce qu'on pourrait, l'utiliser pour habiter ici? Parce que c'est vrai que ça pourrait être vraiment un habitat qui serait plutôt intéressant. En plus là, t'as capté, il y a un gâteau qui nous attend, ça c'est magnifique frère. Bon par contre j'ai vu qu'il y avait une zone en bas, on va essayer de s'y rendre et je pense qu'en bas il y aura un truc de fou. Vous inquiétez pas les gars, nous on gère, on a la magie de toute façon, ils ont pas de magie. Quoique, ah ça on sait pas. Ok frère, les transformations c'est parti, let's go. Ah t'aurais dû mettre un casque, hein. Je pense que ça t'aurait peut-être rendu beaucoup plus solide contre moi. Il y a encore un sous-sol les gars, mais frère ça a dégradé en mode creeper, mais les gars, mes frères, on va changer de vêtements comme jamais, mais gros. Regardez le feu que j'ai maintenant. Oh, ça là.
Attends frère, attends. Non mais gros là par contre là ils ont mis le budget. Hein. Là ils ont vu que j'étais beaucoup trop chaud. Ils ont mis le sacré budget. Attends les gars, attendez, calmez-vous. On peut encore négocier. Tu comprends? On peut encore négocier les gars. Non. Les gars. Mana boost, est-ce que par exemple si je prends ça, ça pourrait augmenter la vitesse de mon mana? On va dire que oui. Peu importe, ok. Ouais gros. Mais attends, mais c'est sacrément rapide. Hey, gros. Les gars là, mes frères. Ça fait peur, oui, frère, c'est une dinguerie. A priori, c'est réglé, donc on va essayer de descendre un peu. Par contre, je sais pas jusqu'à où ça va, jusqu'à où on va aller, les gars, mais c'est une dinguerie. Hein. Ça va très très bas. Hein. Ah, c'est comme ça, les gars. Ah, c'est comme ça. Même pas ça dit bonjour direct à l'attaque. Mais gros. Protection les murs, frérot, parce que ça commence à être compliqué. Hein. Je vais pas te mentir, gros, que c'est sacrément compliqué. Non. Les gars. On avance comme ça, les gars, c'est parti. On avance comme ça, les gars. Petit à petit, gros. Il fait beaucoup trop mal. Hop là, c'est géré. Non, les gars, comme quoi, il fallait juste demander. Alors, où est-ce qu'on est? J'ai une sacrée paix en diamant, ça fait vraiment plaisir de voir ça dans son écran. Oh! Ah, les gars, non! Frère! Il est coréen celui-là, hein. Lui il va vraiment mourir, hein. Mais gros, mes frères. Hey, lala, aïe. Les gars, c'est une dinguerie, les gars. Il y en a trop. Ça vient d'où? Bah en réalité je sais pas où est-ce que les spawners sont. Mais ce que je sais, c'est que j'ai posé des torches. Énormément de torches. Ah mais en fait c'était ici qu'ils venaient les mobs en fait, les gars. D'accord, ok, je comprends tout. Les gars go. Oh les gars, vous voyez là ce que je suis en train de voir? Je peux littéralement, les gars, utiliser 3 épées. C'est une dinguerie, vous ne trouvez pas que ça, les gars? Non les gars, je veux maîtriser ça, je veux absolument maîtriser ça. Venez. Hey gros, hey, tu viens toi? Tu oses venir? Mais ça là, t'as capté, on fait une petite pause là. Oh, les gars, c'est quoi ça? Putain, tu tombes là-dedans, frère, tu crèves. Hein. C'est quoi ce mob? C'est pas un squelette ça, impossible. Mais gros, il y a une protection. Bon, on ferme ça. Hein. Là, pour l'instant, on oublie ça, les gars. Bref. Ok. Les coffres sont cassés, d'accord, ok. Je comprends maintenant la situation, c'est bon, je sais maintenant. Où est-ce qu'on peut retrouver des coffres? En fait, c'est à travers ça, là. Ok, c'est bon. Ok, maintenant, mes petits coffres. Hop là, il y a du lapis, ça. Maintenant, les gars, je vais vous expliquer, les gars, comment on fait pour s'approprier l'énergie de l'eau. Comme vous le savez, les gars, je peux vivre dans l'eau comme ça, sans aucun problème. Je n'ai pas de soucis de respiration ou de noyade. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, les gars? C'est que je fais ma touche pour consommer. Et je fais water. Et en fait c'est pas du cheat. Pour quelle raison? Parce que c'est une technique qui appartient à mon Predator. Il me semble, hein, je crois que c'est une technique qui appartient à mon Predator. Mais ouais, dans tous les cas c'est juste je consomme de l'eau pour m'approprier de l'eau en fait. Et en faisant ça en fait, en ayant une certaine quantité d'eau, je vais pouvoir maîtriser tout ce qui est eau et ça. Mais en fait le problème de cette technique là, c'est que j'ai donc 294 water en moi. Et en fait ça les gars, ça sera mon stock d'eau que je peux stocker grâce à mon estomac. Et en fait en consommant de l'eau, ben je vais pouvoir maîtriser tout ce qui est technique d'eau en fait. Et du coup la technique d'eau, c'est tout ce qui est ça.
je vais dans Extract Skill, donc voilà, ici, je vais donc pouvoir maîtriser ce domaine, voilà, donc Water Manipulation. Mais pour ça, en fait, il me faut une quantité énorme d'eau, il me faut 6400 à peu près, t'as capté ou pas? Donc frère, je vais pouvoir rester ici pendant un certain moment. Et là les gars, je crois que c'est la dernière des dernières techniques. Et voilà les gars, j'ai maîtrisé toutes les techniques de l'eau. Maintenant les gars, si je fais Extract Skill, je maîtrise donc toutes les capacités de l'eau. Voilà, donc évidemment je fais ça, hop là, t'as capté, je maîtrise ça. Par contre, le fait que je puisse nager aussi vite, ça me bouffe de l'énergie. Regardez, donc c'est 5715. Hop là, j'ai fait ça. J'ai gaspillé, voilà, quand même 100 d'énergie à peu près. Par contre, si je fais ça, Water Blade, vous allez voir, vous êtes un peu surpris. Voilà, donc ça fait ça en fait, t'as capté. Voilà, et ça fait des petites techniques. Mais le souci de cette technique là en fait, c'est que regardez bien. Hop là. Donc là, vous voyez que je suis à 6437, ok. Maintenant, si je viens, je fais ça. Ok, donc t'as capté, je bombarde, hein, y a pas de souci. Voilà, je peux bombarder, ça me gaspille en réalité aucune énergie. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? En termes d'énergie, ça m'a gaspillé rien du tout. Au contraire, j'en ai récupéré. Par contre, il faut forcément que de l'eau fraîche, j'en gaspille. Et c'est là où lequel je peux le gaspiller. C'est au niveau de ma source d'eau. Voilà, j'étais à 6437. Maintenant, j'en suis à 6406. Vous allez me dire que bon, ça gaspille pas énormément de water. C'est, oui, ok, c'est vrai. Je suis capable de créer une sorte de. Une sorte de djembé en fait. Genre, bah ça. Hop là. Ouais, je sais pas si on pourrait appeler ça une bibée, mais en tout cas ça fait quand même 4 de dégâts et c'est plutôt pratique. Mais par contre, en termes de ressources water, je pense que ça consomme, hein. Ouais, ça consomme plus que l'autre en tout cas. Les gars, attendez, il y a une dernière chose que j'aimerais faire avant de finir sur ça. Il y a quand même lui et j'aimerais bien prendre ma revanche. Et les gars, je vais vous montrer ma technique secrète, c'est ça. Regardez bien les gars, ma technique secrète. Non, par contre on enlève ça pour au moins une seconde, tu connais. Il va faire les clauses, hein. Il va venir, hop là, tranquille. Et hop là, je vais le tuer. T'as capté ou pas? T'as capté ma technique secrète ou pas? Je vais aussi essayer de me le faire lui parce que j'aimerais tellement me le faire lui, cette merde. Allez, c'est parti. Il semble sacrément souffrir quand même, hein. On va reculer un peu quand même. On va un peu reculer parce que je sais très bien que s'il me lâche ne serait-ce que un coup de son poison, je meurs littéralement. J'ai maîtrisé ça. Les gars, regardez. C'est bon les gars, je suis immunisé contre le poison. C'est... Wesh, elle est où la technique là? Ah, c'est ici là. Hit sense, c'est quoi ça? Hit sense, c'est quoi? A priori, je serais capable d'utiliser mon poison comme lui. Oh.